Bonjour, bienvenue sur le cours Django pour une partie consacrée au formulaire et nous aurons d'ailleurs deux séances sur le sujet puisqu'il va y avoir beaucoup de choses à voir. On va regarder dans un premier temps comment créer des formulaires, comment on va pouvoir interagir également avec les modèles puisque c'est là tout l'intérêt, c'est ce que nous avons vu précédemment. Et dans une seconde partie, on verra plus ce qui est traitement des formulaires, en tout cas dans des cas spécifiques puisque quand nous allons travailler avec les modèles ici en cette première partie, vous verrez qu'on va évidemment valider les formulaires et qu'on pourra modifier les informations et les données que nous avons. Mais on va retrouver comme ça deux parties pour présenter l'ensemble. Je vais d'abord commencer, avant qu'on l'applique directement avec l'exemple comme on a vu jusqu'à présent, l'application qu'on a développée, on va regarder comment créer des formulaires et les outils que Django met à disposition, de manière en tout cas très globale, et ensuite on va voir comment les utiliser précisément pour notre application, ce qui permettra par exemple d'ajouter de nouveaux mangas ici, de les éditer, de les supprimer, sans passer par l'interface d'administration comme on l'avait rapidement évoqué, en tout cas et vu précédemment. On va aller sur le code. Donc là j'ai fait une page où j'ai retiré en fait l'ancien index puisque je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe au niveau des formulaires. Au niveau de Django, il n'y a pas de fichier déjà préconçu si vous voulez pour gérer les formulaires, donc la bonne méthode en tout cas à utiliser puisque ça concerne votre application en particulier, c'est de créer le fichier des formulaires au niveau de l'application en question. Vous avez remarqué jusqu'à présent on avait un fichier pour les modèles, un fichier pour les routes, un fichier pour les vues et ainsi de suite. On rangeait également tout ce qui était propre à l'application concernant par exemple du CSS et les gabarits dans des dossiers spécifiques et non pas de manière globale. Et bien nous allons tout simplement créer un fichier ici qui va rassembler tous les formulaires de notre application, donc forms au pluriel, et bien sûr l'extension Python pour avoir l'ensemble des informations que nous voulons. Donc ça nous fait un nouveau fichier qui arrive finalement par rapport à ce qu'on avait vu en tout cas précédemment. Donc il nous faut un petit peu toutes ces informations. Dans ce fichier, on va utiliser un outil de Django pour manipuler des formulaires. On va avoir une classe form et on va avoir tout un tas de choses pour gérer à la fois les types de champs, et ensuite les types de champs dits HTML, d'accord, ce qui va permettre de gérer en fait réellement le visuel. Donc on va avoir l'information telle qu'elle va être traitée par le quadriciel, c'est-à-dire comment les données vont être traitées, des chaînes, des dates, etc. Et ensuite l'aspect visuel, donc pour utiliser, si vous voulez, les bonnes balises HTML pour que ça corresponde à ce que vous avez déjà appris justement au niveau des formulaires en HTML. Donc ça va être le strict minimum, d'accord, on va juste utiliser ceci. Et ensuite, vous allez créer une classe. Donc vous voyez que j'ai un fichier de formulaire, ok, on va créer toutes les classes qui concernent chaque formulaire. Donc une classe pour un formulaire bien spécifique. Alors là encore une fois, on n'est pas rattaché à l'application qu'on avait développée, c'est juste pour montrer un petit exemple avec différents types de champs, qu'on voit tout ça en détail, en tout cas pour ce début de vidéo. Je vais créer, je vais faire un formulaire classique, hein, rien de, pas grand chose à ce niveau-là. Et au niveau de mon formulaire, on va pouvoir travailler, d'accord, au niveau de ce que nous avons. Donc là, je vais faire form. Voilà, et on va pouvoir récupérer toutes les informations que l'on a. Ce qu'on va faire ici, c'est d'établir les champs. Alors, encore une fois, là, on ne travaille pas avec un modèle. On n'a pas rattaché le formulaire avec un modèle pour faire de l'édition, de l'ajout, etc. C'est un formulaire, tout ce qu'il y a de plus classique. Par exemple, qui demanderait de saisir des informations pour les afficher ensuite sur une autre page. Même si on ne fera pas le résultat, on verra juste pour le formulaire. Mais voilà comment que ça va se passer. Les différents champs de vos formulaires vont être des variables dans lesquelles vous allez spécifier le type de champ que vous voulez et ensuite différentes informations. Donc le plus simple serait de faire un username, mettons ceci. Et là je vais utiliser forms qu'on avait retrouvé et on va pouvoir spécifier un type de champ puisqu'il va en exister plusieurs. Alors, je vais peut-être mettre certains en commentaire, mais celui qu'on va utiliser assez souvent pour gérer en fait tout ce qui est propre à du texte, alors même si on a un text field, mais ce qui nous intéresse c'est char field. On va utiliser ce type de champ-là. Et lui va pouvoir gérer pas mal de choses. Donc le strict minimum, c'est de faire ceci. D'accord ? Et là, bon, on n'indiquerait pas spécialement d'informations. Donc autant dire qu'on n'irait pas bien loin, en tout cas, avec ce qu'on a ici. On ne ferait pas grand-chose. Mais nous avons un formulaire, en tout cas, qui est disponible. Et Django va pouvoir gérer ça tout seul. Pour pouvoir afficher ce dernier, on va l'avoir. Donc évidemment, il faudrait évidemment au niveau ici d'avoir les différentes infos du formulaire. Parce que si on n'a pas tout, ça va être un petit peu délicat. Donc on va peut-être modifier un peu cette partie, puisque vous voyez que je n'ai pas enlevé le code précédent qu'on avait fait dans les séances d'avant. Donc on va voir un petit peu comment que ça se passe. Et en gros, on va simplement dire, au niveau de la requête qu'on a, si il a été saisi en fait un formulaire, donc là on aura un formulaire pour le coup de type post, on va voir pourquoi, c'est ce qu'on va noter ensuite dans le gabarit, c'est ce qu'on utilise, en tout cas dans ce cas précis. Alors,
on va pouvoir mettre en place le formulaire, parce que de voir en fait s'il a été validé. Donc on va pouvoir procéder à sa validation, même si c'est quelque chose qu'on verra un peu plus tard. Donc ce qui nous intéresse, c'est de partir ici. Alors déjà d'ajouter le formulaire en question, parce que vous voyez qu'on a ce fichier et on a ceci. Donc on va retourner dans vue. Donc je vais aller dire depuis le fichier des formulaires, tu importes cette classe-là, très important, hein, parce qu'on travaille principalement toujours comme ça avec Python. Et donc là, on va avoir notre classe et spécifier que nous travaillons en poste. Ok, donc ça, pas de changement. Ensuite, éventuellement, on a une vérification de la validation et pour ça, nous avons une méthode isValid. Donc ça, c'est des choses qu'on verra en deuxième partie, hein, sur la deuxième séance concernant les formulaires. On rentrera un peu plus dans le détail à ce niveau-là, mais vous allez voir que tout un tas d'outils existent aussi de manière automatique pour valider un formulaire. Et après, bien sûr, on pourra choisir d'appliquer nos propres règles de validation pour des cas bien plus spécifiques, mais on a en tout cas une version de base. Et à partir de là, bah, si c'est validé, bah, vous faites quelque chose. Donc là, bon, moi, je ne vais pas faire grand-chose. Je vais en fait renvoyer sur la même page. Hein, donc ça va pas. Je pourrais envoyer sur une autre page pour indiquer qu'on a bien l'information, mais ce n'est pas le but de la vidéo. C'est juste de vous montrer comment on crée un formulaire, comment en fait on rend tout cela valide avec les mécanismes de Django. On a notre formulaire qui est là. Si jamais bah, on n'a pas saisi, en fait, qu'ici on n'a pas eu de requêtes qui ont été faites, c'est que le formulaire n'a pas été donc soumis, ok. Donc on va simplement se contenter de l'afficher. Dans ce cas-là, on affiche notre formulaire tel quel et on verra un petit peu ce que ça nous donne pour la suite. Donc ça c'est le plus classique. Enfin, donc là vous voyez on a spécifié pour la vue, on a préparé la classe qui concerne le formulaire en question, bah, il nous reste bien sûr dans le gabarit, hein, donc visuellement au niveau de HTML, pour que ce dernier soit disponible. Et là, ça va être très simple. Vos petites révisions de HTML. Donc là, je vais mettre méthode post. Je ne mets pas d'action puisque c'est le même endroit en fait. Hein, ça ne change pas d'endroit, donc je peux laisser tel quel. Et ici, je vais simplement indiquer là où je place mon formulaire. On a aussi une petite sécurité prévue par Django au niveau de justement des files CSRF. Donc vous pouvez ajouter ce système de jetons directement aussi avant. C'est SRF, le jeton token, et voilà, vous mettez juste avant en fait l'affichage du formulaire et vous êtes tranquille. Donc vous voyez pas beaucoup de code pour avoir notre formulaire ici. On va actualiser tout ça, voir s'il n'y a pas d'erreur dans ce que j'ai fait, mais peut-être parce que j'ai pas tout mis. Ah oui, c'est normal que je retourne pas. Ah oui, on n'a pas renvoyé le formulaire, pardon, je suis allé un petit peu vite. Effectivement, on retourne rien là. J'ai oublié cette partie. Donc on fait le rendu. Donc ça, request classique. Ici, ça ne change pas. D'accord, hein, c'est cette ligne en fait. Hein. Tout simplement. Sauf qu'ici, au lieu de passer un contexte, même si bon, après tout, je peux le faire avant. C'est vrai que j'avais toujours fait ça pour vous, pour que ce soit lisible au niveau de la vidéo. Je vais agrandir d'ailleurs un petit peu. Voilà. Et ici, on va lui passer le formulaire. Donc dans une variable form, on ne va pas changer ça. Et on passe le contexte ici, voilà. Ça va être quand même plus pratique. J'actualise le tout. Qu'est-ce que j'ai oublié? Petite faute de frappe peut-être. Oui, CSRF, pas FR. Ok. Et voilà. Nous avons un formulaire avec pas grand chose, hein, parce qu'on n'a même pas de bouton, d'ailleurs je l'ai oublié, ouais, je suis allé un peu vite, évidemment. Donc ça, bon, pas besoin de le gérer forcément automatiquement, on peut l'ajouter. Des submit, value, valider, pour le mettre ici. Ok, c'est un peu plus complet. Si je regarde le code source, hein, parce que c'est quand même ça qui est intéressant, vous voyez un petit peu ce qui a été produit au niveau du champ. Donc on voit comme ça, on a différentes informations. Pour le label, etc. Alors là, par contre, je vois qu'il me l'a mis sous forme de tableau, mais ça, on va revenir un petit peu hein, après comment on peut présenter le formulaire. Donc, on a bon, bah, le jeton évidemment qui est là, et on a le formulaire, vous voyez, qui a été généré en HTML. On n'a quasiment pas écrit en fait de HTML pour faire notre formulaire. Donc, ça, pour les gens qui n'aiment pas forcément écrire tout le HTML à la main, même si vous pouvez le faire, n'oubliez pas, ici, on est dans un fichier HTML. Donc, il y a pas mal de choses que vous pouvez écrire manuellement, et après utiliser bah, tout ce qu'on a vu, les filtres, hein, et puis toutes les balises qu'on a vu avec Django. Pour pouvoir carrément choisir par exemple les valeurs de champ précisément. Donc ça, c'est à vous de voir. Moi, je vous montre les méthodes comme les plus automatiques. C'est l'intérêt d'utiliser un framework comme Django. Si après, vous voulez faire les choses manuellement, vous irez voir dans la documentation.
et ça fera surtout appel à toutes vos révisions, en fait, hein, tout ce que vous savez sur HTML plus précisément. Donc ça, c'est le cas le plus générique. Donc nous, on va compléter un petit peu maintenant qu'on a un formulaire qui s'affiche, qu'on a ici tout au niveau de la vue pour pouvoir le gérer. Eh bien, je vais vous montrer un petit peu d'autres types de champs qu'on peut retrouver. Parce que là, vous voyez que finalement, on n'a pas grand-chose. Alors déjà, on a quelques valeurs, quelques arguments au niveau des différents types de champs qu'on peut utiliser au niveau de Django. À savoir le premier, qui est forcément très utilisé, qui est l'étiquette. Hein, donc à quoi ça correspond. Donc ici, nom d'utilisateur. Donc si j'actualise, on va avoir une information qui ne sera plus générée, mais sera remplacée par l'information qu'on voulait. Sinon, vous voyez que l'étiquette, il y en a une qui est choisie par défaut au niveau de Django. Donc c'est quand même plus pratique d'avoir ça. Ah oui, j'ai peut-être fait un. Voilà. Demandez où il était. Donc là, il a bien remplacé à ce niveau-là, donc pas de problème. On a comme ça les informations qu'on veut. On peut par exemple, bon, ça peut être courant de spécifier une longueur maximale, pardon. D'ailleurs, par exemple, si on ne veut pas plus que 25. Et là, évidemment, ça limitera. Si je fais voilà du texte, premièrement, je ne peux plus écrire. D'accord? C'est limité à 25 ici. D'ailleurs, si j'essaye de valider pour un champ, vous voyez que par défaut, il est obligatoire, il est requis, donc vous devez le compléter ici. Même si on rappelle bien sûr que ce n'est pas du HTML qui s'assure de la sécurité des données. C'est juste une aide, un visuel au niveau du navigateur pour l'utilisateur. Mais après, les vérifications sont faites réellement au niveau d'un langage de programmation. C'est ce qui est fait notamment avec Django par la suite. Parce que si par exemple on contourne pour enlever le require, eh ben, on pourra passer une donnée vide. Et donc si après on fait en sorte d'empêcher d'avoir des données vides, eh ben, on pourra le bloquer au niveau du langage. Et pour ceux qui se poseraient la question, mais il suffit simplement de faire inspecter, d'aller voir le code qu'on a. Alors là par contre, vous ne l'aurez pas forcément. Voilà, très grand. Hop. Vous voyez qu'il a mis un required. Donc il suffit simplement d'enlever ça. Même pourquoi pas d'enlever la limite hein, si on veut. Après tout. Par exemple, de mettre 250. Et voilà, votre champ n'est plus requis. Donc vous pouvez valider le formulaire. Vous voyez, donc ça peut créer des erreurs éventuellement. Donc il y a des choses comme ça. Encore une fois, on ne se base pas sur HTML pour faire la sécurité hein, dans une application. C'est fait ensuite au niveau du langage. Donc ça, c'est très important. Donc là, si je fais ça par défaut, c'est OK, je valide. Et après, voilà, bon là, c'est normal. Alors, c'est normal, non, c'est pas forcément normal. C'est forme, pardon, j'avais oublié la moitié, évidemment. C'est si le formulaire est valide. Voilà, donc on revient ici puisqu'il se passait rien. Donc, pour montrer que je pourrais contourner la limitation maximale du nombre de caractères, ou même simplement le fait que le champ soit requis. Donc là, on a l'impression que c'est bloqué. Je fais inspecter. Je retourne ici. J'enlève l'attribut required. Hop. Et ici, j'arrive à valider le formulaire, je ne devrais pas. Et vous voyez que le langage de programmation, lui, nous indique que le champ est obligatoire et affiche un message d'erreur. Si on n'avait pas eu le langage de programmation derrière pour contrôler en fait le formulaire, eh bien ce serait passé sans problème alors qu'on pensait avoir protégé le formulaire au niveau du HTML. Donc attention à ça, encore une fois, j'insiste beaucoup, parce que souvent les gens pensent que le visuel ici est de la sécurité, alors que pas du tout. C'est vraiment juste de l'aide pour l'utilisateur, et c'est tout, rien de plus. Donc on va voir d'autres champs génériques avant de passer à la suite, parce que vous voyez que ça fait. Il y a pas mal de choses à dire, hein, ça avance assez vite. Donc ce qu'on peut retrouver, puisque ça c'est les plus classiques, on peut avoir aussi un message d'aide, hein, si vous voulez afficher un petit message d'aide, c'est l'argument help text, voilà, et vous pouvez mettre un message qui s'affichera pour indiquer quelque chose en particulier. Je rappelle bien sûr que par défaut, tout est mis dans un style spécifique. Hein, donc si je fais pareil, analyse du code source, ici, vous voyez qu'on peut retrouver des classes. Donc là, la classe, c'est HelpText. Donc après, au niveau de CSS, bah, vous pouvez utiliser ça comme sélecteur et vous pouvez changer comme ça le style du message d'aide si vous voulez que ça s'affiche dans une autre couleur, d'une autre manière, à un autre endroit. Bien évidemment, là, c'est l'interface, encore une fois, par défaut. Mais comme tout est du HTML, du CSS à l'arrivée, vous pouvez bien évidemment modifier toute la mise en page. Bon, ici, je vous montre vraiment la mise en page par défaut, quasiment, à quelques exceptions, puisque vous voyez que j'ai changé la couleur de fond, etc. Comme on avait fait assez vite au début de ce cours. Donc, je vais l'enlever, parce que moi, je n'ai pas besoin de ce help text. On va le dégager. Donc, c'est ce qu'on contrôle principalement. Et si vous voulez empêcher qu'un champ soit requis, pareil, hein, vous pouvez faire un require. C'est require ou required. Et vous pouvez comme ça le passer à faux. Ça, vous pouvez gérer un petit peu. Donc là, normalement, hop, si j'actualise. Comment ça, la connexion a échoué? On est en local, ce serait dommage.
charge la page en fait. Allô? Mais je l'ai enlevé, require. Ok. Je vais remettre required. Voilà. On actualise. Et là, ce n'est plus obligatoire. Vous voyez, hop, ça peut valider le formulaire. Donc on peut changer le comportement comme ça qu'on veut avec ces différents arguments. Ça, c'est en tout cas les arguments qu'on va retrouver de manière générique et universelle sur tous les types de champs qu'on a ici. Alors on en a plusieurs, on n'a pas que char field, on a date field, on peut avoir également pour les emails, email field, on va retrouver pour les nombres, on va retrouver vraiment pour tout un tas de types différents, et on pourra comme ça spécifier un type de champ, boolean field, etc. pour les choix, et vous verrez qu'on ne va pas en utiliser énormément de différents par rapport au formulaire que vous allez faire le plus souvent, mais c'est bien de le savoir. Donc pareil, c'est rien que je vous énumère tout, hein, ça n'a aucun intérêt. Le mieux quand c'est comme ça, c'est ce que vous allez voir dans ce cours. Et si un jour vous avez besoin vraiment d'un cas très 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 particulier, il y a les documentations qui sont faites pour ça et qui énumèrent absolument tout ce qui existe au niveau de la classe forme de Django. C'est tout l'intérêt de ça. Maintenant qu'on a vu globalement ce qui se passait, en tout cas de manière, on va dire, assez générique, au niveau en tout cas de ces types de champs, on va voir au niveau des widgets. Les widgets, c'est ce qui va permettre de changer l'aspect visuel notamment de ce qu'on a. Donc je vais reprendre les plus classiques, puisque là par exemple vous avez vu ça. Peut-être que des gens se sont demandé, mais si je veux afficher par exemple un champ pour un mot de passe, vous savez qu'un champ de mot de passe n'est pas censé afficher les caractères. Comment je fais avec ce type-là? Alors on va tester sur autre chose, donc ça je vais laisser tel quel. Et on va faire password. Donc là je vous montre un peu d'autres cas génériques. Ça ne change pas. On reste sur un champ de texte, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc label, pourquoi pas. Hein. Je vais mettre pass ou une mot de passe dans le mot de passe. Mot de passe. Et ici, on va utiliser l'argument widget pour indiquer comment se fait le visuel de ce champ. Et là, généralement, ça part toujours de forms, et vous avez ensuite tout un tas de cas pour tout ce qu'on retrouve en HTML. Donc là, c'est un password input. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que tout ceci, généralement, est dans un champ input, son attribut type, et vous avez donc, voilà, texte, c'est par défaut, donc c'est quand on fait ça, c'est un texte. Et ici, quand j'utilise un password input, eh bien, ça devient un type password, tout simplement. Et ça va être ça après pour tout, email, etc., etc. Vous aurez donc email input, date input, date time input. Donc vous avez compris vraiment le principe, c'est très simple. Et on arrive facilement en tout cas à se souvenir un peu de tout ça. C'est très logique en tout cas dans la manière où c'est nommé également. Donc là, je vais vous montrer, on va regarder visuellement ce que ça donne. Vous voyez que là, pas de problème. Et ici, vous voyez que c'est bien affiché comme un mot de passe, donc il n'y a pas de souci. Alors c'est pareil, l'affichage, on peut le changer. Vous voyez que là, tout se met alors là, sous forme de tableau, donc ça peut être géré par défaut. Et en fait, on peut changer l'affichage ici du formulaire. Il y a un comportement qui est par défaut, vous pouvez spécifier celui que vous voulez. Si vous voulez que ce soit comme c'est, c'est as table. Donc c'est mis dans un tableau, d'accord. Donc vous voyez que c'est mis comme ça en des cellules. Si vous voulez que ce soit dans des paragraphes, vous utilisez as p. Donc là, c'est séparé dans des paragraphes. Vous avez div, notamment si après plus tard vous voulez utiliser des classes pour les div. Alors là, c'est vrai que ça fait un affichage bizarre par contre. Il m'a tout dégagé. Il n'a pas aimé. Ouais, alors je ne sais pas pourquoi, il n'est pas censé les dégager comme ça, mais pourquoi pas. On a en liste. Voilà, donc on a plusieurs manières d'afficher les différents éléments. Et après toujours, si vous ne savez pas trop, allez voir le code source, tout simplement ce que vous avez. Et regardez un petit peu si vous avez des classes ou autres, et pour faire par exemple des modifications sur le design, même appliquer des classes vous-même aux différents éléments pour changer la mise en forme de ce que vous avez ici. Parce que c'est sûr que de base, le design n'est pas spécialement joli, pas spécialement bien mis en place, mais ça sera à vous après bien sûr de faire au niveau de CSS votre interface si vous voulez avoir quelque chose de propre. Donc, moi je vais laisser tel quel, ça ira très bien par défaut, on va pas changer ça ici. Ou alors non, je vais faire aspect, sera plus... plus lisible, parce qu'on va avoir pas mal de champs après à vous montrer encore pour continuer. Donc on va revenir là-dessus. Donc ça, c'est les classiques, hein. Champ de texte, champ de mot de passe. On a un autre champ qui revient très souvent, c'est quand on a besoin d'écrire un texte long. Donc, par exemple, mettons qu'on voudrait une biographie quelque part. Et bien pareil, on va faire un char field, ça ne change pas. Vous voyez qu'il revient très souvent celui-là, celui-ci. Et ici, on va utiliser comme widget le
text area. Attention, c'est une seule majuscule au T de texte, il n'y en a pas ensuite ici. Et là, voilà, c'est beaucoup plus grand. Vous pouvez comme ça ajouter plus de choses. Donc, on a un autre type de champ. Donc ça, très classique. Il nous reste trois autres types de champs qu'on va retrouver dans un formulaire, à savoir tout ce qui est choix multiple, tout ce qui est choix unique et notamment les menus déroulants. On en a très souvent dans les formulaires. Donc c'est bien que je vous montre ça et après bon, on s'arrêtera ici pour les différents champs parce qu'il y a encore une fois on pourra en montrer plein d'autres, mais ceux-là ne sont pas forcément on va dire faciles à retrouver. Alors si je devais avoir qu'un seul champ à cocher, par exemple dire qu'on publie quelque chose ou que c'est en brouillon, je n'ai pas forcément beaucoup d'idées. Bon, on va utiliser un choice en fait, hein. On va faire un checkbox field. Et on va en fait avoir directement, alors il faudrait qu'on ait un seul... par exemple, publier le contenu. Voilà. Si on voudrait par exemple écrire un article et on peut indiquer qu'un truc ne se met pas en brouillon par défaut, mais on peut cocher la case pour dire que ça le publie. Donc on pourrait par exemple gérer ça et indiquer en fait comment on gère cette partie. Donc on peut... Alors j'ai pas dû mettre le bon... Parce qu'évidemment il va pas me le mettre comme il faut. Il faut que je l'ai en checkbox. Il faudrait que je l'ai en input en fait. Il me fait des chargements bizarres par contre lui à chaque fois. Je vais remettre en char field. Checkbox input, ce qu'en fait je voudrais vous montrer simplement avec 1, voilà comme ça, pour pouvoir en fait dire bah, vous publiez quelque chose, donc là bon bah c'est l'un ou l'autre, d'accord, vous pouvez avoir ça. Là où c'est plus intéressant évidemment c'est quand on gère, par exemple, enfin plus intéressant mais c'est un autre cas en tout cas, quand on a un choix multiple, donc ça peut être, alors languages, on va utiliser une liste de tuples principalement, donc avoir bah, l'identifiant en fait à quoi ça correspond et ensuite la valeur qu'on voit hein, réellement. Donc moi je vais mettre, bon, je n'ai pas forcément beaucoup d'idées non plus. Donc vous faites une liste comme ça, de tuples. Et ensuite, je vais appeler ça juste language. On va créer un champ de formulaire, donc ça ne change pas, mais ici qui va être multiple choice field. Voilà. J'aurais pu faire un choice field aussi. Là. En fait, on peut souvent associer un petit peu les deux différemment. On a, enfin, ce qu'on avait fait en tout cas tout à l'heure pour la simple case à cocher. Et ici, on va retrouver widget. Donc ça, c'est comme tout à l'heure. Box, mais ce n'est pas input, c'est select multiple. Voilà. Si c'est checkbox input, ça correspond, rappelez-vous, à la balise input HTML. Là, ça correspond effectivement à checkbox, mais avec choix multiples, donc sont autorisés. Donc le fait de cocher une case ne retire pas une autre case, d'accord. Et ensuite, bah, les différents choix, ce qu'il faut que ça prenne en compte tout ça. Donc là, vous avez un argument choices, donc au pluriel, et on va lui passer language. Alors si je réduis un peu le zoom. Vous voyez, ça donne ça, bien sûr, sur une seule ligne. On va actualiser à nouveau. Et voilà, comme ça, vous avez donc... Alors, oui, c'est vrai que je pourrais mettre le langage, en fait. Je vais y arriver. Langage connu, pour changer hein, l'étiquette. Voilà. Et comme ça, vous pouvez en spécifier plusieurs, vous pouvez changer le comportement par défaut, ce qui est tout est décoché ou pas. Vous pouvez gérer ça un petit peu comme vous voulez. Donc vraiment, plein de cas comme ça qui reviennent. Je vais enlever ça et mettre en commentaire ce que je vous ai montré. Et on va voir les deux derniers, savoir le cas, donc les boutons radio, hein, donc ceux qui peuvent être sélectionnés, on peut en choisir qu'un seul de parmi ceux qui sont disponibles. Et ensuite, un menu déroulant et ce sera très bien, on aura déjà une bonne partie à ce niveau-là. On va créer, est-ce que l'on va pas avoir beaucoup de choix, je vais faire un
Bien comme ça. Rouge, bleu. Donc on a un ensemble de couleurs. Et ensuite, pour le fait de choisir donc une seule, on peut en sélectionner qu'une seule parmi toutes celles qu'il y a. Donc je vais mettre color. C'est un choix qui est fait. Donc les choix, bah on passe la liste des couleurs et ensuite vous avez widget et le widget au niveau des radios, c'est tout simplement radio select. Voilà. J'actualise à nouveau, couleur dominante, on sélectionne un, si on en sélectionne un autre, vous voyez que ça désélectionne le précédent. Donc on a un choix unique et non plus un choix multiple dans ce cas-là. Et pour enfin pour terminer, on va retrouver le select, donc là pareil, on va avoir une liste classique. Alors je vais reprendre ça, je ne vais pas le réécrire à chaque fois ce que ça scelle entre les crochets, les parenthèses, etc. Par exemple là. On note ça comme ça. Ensuite, le pays. Bon, ça ne fait pas beaucoup de choix de pays, il n'y en a que 3, donc il en manque un petit peu, mais c'est pas grave. On va aller dans Choice Field, d'accord? Vous voyez que ça ne change pas avec ce qu'on avait ici pour les boutons radio. On peut utiliser la même chose. Et là, en fait, bah, vous avez juste à spécifier les choix. Puisque c'est le comportement qu'on va avoir par défaut, visuellement, en tout cas pour ce type de champ. Et voilà. Alors, peut-être mettre un. Ce sera quand même plus sympa. Voilà. Et comme ça, menu déroulant. Vous pouvez sélectionner ce que vous voulez, mettre mais carrément quelque chose qui ne sélectionne rien par défaut. Vous pouvez bien sûr vous adapter, c'est du HTML, donc je ne vais pas évidemment vous faire de la révision de HTML sur ce cours-là. Et voyez un peu comment ça marche. Bon, bah on a fait le tour de beaucoup beaucoup de types de champs. Comme je vous dis, il existe d'autres choses encore si vous avez des cas plus spécifiques. Mais là vraiment, on a montré quand même le principal et ce qui revient le plus souvent. Donc une fois que vous avez compris ça, vous n'aurez aucun mal à utiliser d'autres types de champs ici au niveau de Django pour vos formulaires HTML, donc il n'y aura pas de souci. Ceci étant dit, sachant qu'on a passé une bonne demi-heure, mais au moins on a présenté les choses de manière générique, et bien on va appliquer ça maintenant à notre application. On va voir un peu comment cela fonctionne au niveau de l'application qu'on a. Donc je vais enlever tout ça, parce qu'on va faire quelque chose de plus propre. Hop. On va revenir, alors le index ici, je vais l'enlever. Template. Ouais, j'enlève celui-là. Vous allez voir que j'ai fait des petites modifications parce que ça va être quand même plus pratique. Maintenant, on va avoir quelque chose d'un peu plus complet que ce qu'on avait au départ. Donc, voilà. Je vais. Alors, pour être sûr, voilà, on va tout quitter. Relancer. Mangali Form. Ah oui, parce que j'ai évidemment dans les vues, j'avais changé. Ah bah oui, forcément. Donc, on enlève tout. Hop. On remet vraiment en l'état. Peut-être qu'il manque quelque chose ici. Oui. On relance, c'est pas grave. Comment ça forme Pompeii? Ah oui. Hop. J'ai oublié la moitié. Ok, on est bon. Voilà. Donc voilà ce que j'ai modifié. Si vous vous souvenez précédemment, on avait simplement une petite liste. On pouvait cliquer sur chaque nom de manga. Ça a redirigé bah, sur cette page. Celle-là, elle n'a pas été modifiée. C'est très succinct et ça ira très bien ici. Par contre, maintenant, j'ai tout mis dans un tableau. J'ai rajouté l'affichage de l'auteur et de la quantité qui n'était pas avant. Au lieu d'avoir ici des actions qui étaient génériques, rappelez-vous, quand on avait vu ça ensemble avec tous les systèmes de requêtes, on avait fait en sorte, par exemple, que la suppression supprime bah, tout ce qui commençait par Dragon. Donc d'ailleurs, c'est encore le cas, je ne l'ai pas touché. Donc là, si j'appuie sur la croix, peu importe où, par exemple ici, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super vont être supprimés de la liste. Donc ça, c'est ce qu'on avait précédemment, hein. On avait déjà écrit ce code. L'édition, je crois que ça a modifié le même titre, peut-être un même titre qui n'est même pas là.
Donc ça n'a pas changé. Et ajouter livre, bien en fait, ça a ajouté, je crois, le même livre. Voilà. Ça a rajouté Dragon Ball Z. Donc bien sûr, si je le refais, ça ne marche pas. Donc on avait juste montré rapidement, mais bien évidemment, ce n'était pas assez complet. Parce qu'en réalité, on aimerait pouvoir ajouter ici n'importe quel livre. Ici, éditer le livre qui est concerné dans le tableau. Et ici, supprimer le livre également qui est concerné. Et bien sûr, on ne va pas le faire pour les auteurs, parce que ce sera exactement le même principe. Donc une fois que vous avez compris pour un cas, vous pouvez l'appliquer pour tous les cas. Il n'y aura pas de souci. Sachant en plus que nos livres utilisent une clé étrangère, qui est donc ce qui fait référence aux auteurs. Donc vous aurez vraiment tout ce qu'il faut. Voilà, on a quelque chose ici d'un peu plus complet. On va pouvoir comme ça avoir un exemple, on va dire, un petit peu plus poussé. Alors j'avais le tableau ici. C'est juste pour ça que j'aurais pu mettre un petit... Hop. Pas qui colle non plus en bas pour vous, que ce soit plus lisible en tout cas. Et on va compléter. Bon, déjà, on va compléter la suppression. Ça n'aura pas forcément de rapport direct avec ce qu'on va voir dans la vidéo, hein, bien sûr, mais c'est pour qu'on applique ça comme il faut. Alors, delete, on va changer au niveau du chemin. Ici, supprimer livre, on va reprendre ceci, puisque c'est supprimer un livre par rapport à son identifiant. Donc, remove ici. Maintenant qu'on a ajouté ça ici, comme on avait fait, vous voyez, pour. Comment ça s'appelle, pour afficher en fait un livre en particulier, et eh bien on passe ça en paramètres. Je vais dans les vues, on va dans remove, ça devient donc un paramètre de cette méthode, et ensuite, enfin de cette fonction même d'ailleurs. Et là, ce qu'on va changer, voilà, c'est ça. Vous voyez ici, on disait prendre le titre, tous les livres dont le titre commence par Dragon Ball, et en supprimer tout ça. Donc là, bah, ça va être très simple. Hein. Ça va être, je crois qu'on a, on avait fait cet exemple dans Show en fait. Oui, donc je peux limite faire un copier-coller en fait quasiment. Mais ce qu'on veut surtout faire, nous, c'est ceci. Et get dans le livre dont la clé primaire est Book ID. Bien sûr, on ne gère pas toutes les erreurs, ce sera à vous de vous en occuper, mais on l'avait déjà vu précédemment, tout ça. On sélectionne le livre correspondant. De toute façon, bah là, il fait partie du tableau, donc il existe forcément. On supprime, on redirige sur la page d'index. Je n'ai pas affiché de message ou site de réussite hein, pour indiquer que ça a bien été supprimé. Si vous voulez le faire, à vous de le faire, ça n'a rien de compliqué. Voilà, c'est encore une fois, c'est purement du HTML. Donc là, il n'y a pas grand-chose de différent. Cette fois-ci, si j'actualise, maintenant, je clique donc sur ce titre-là, et logiquement, c'est bien lui qui est enlevé. Voilà, on a enfin quelque chose qui fonctionne au niveau de la suppression. Donc ça, c'était juste de remettre un petit peu les choses en forme, d'avoir quelque chose d'un peu plus, on va dire, sérieux, un peu plus complet que ce qu'on avait dans les séances précédentes, pour pouvoir compléter notamment ici avec l'écriture de formulaire. Jusqu'à présent, quand on voulait faire de l'administration, je vous avais montré qu'on pouvait passer par l'interface qui allait bien. Donc on avait ceci. Et ensuite, en allant sur l'interface d'administration, on retrouvait tout ça. On avait donc les différentes informations. Voilà, on pouvait retrouver les auteurs. Donc j'ai encore bon, bah, les versions d'administration comme on avait changé hein, au niveau des tableaux, etc. Et on avait vu qu'on pouvait finalement faire de l'édition, modification, suppression, tout ce qu'on voulait à partir de ça. Ça, c'est pour bah, l'administrateur. Hein. En l'occurrence, c'est comme son nom l'indique, c'est fait pour ça. Ici, l'intérêt, eh bien, c'est de permettre à quelqu'un, donc directement depuis l'accès au site, avec des permissions spécifiques qu'on pourrait lui donner éventuellement, de pouvoir procéder, eh bien, à l'ajout, à la modification ou la suppression de manga, et de prendre en compte un petit peu les différents auteurs hein, qui existent en fait dans notre base de données, parce que c'est tout l'intérêt. Il devra en fait, quand il va créer un nouveau livre, pouvoir sélectionner un des auteurs existants. Encore une fois, moi, je reste sur quelque chose de simple. On ne va pas développer un système qui permet aussi d'ajouter un auteur à la volée ou d'ajouter de nouveaux auteurs, parce que c'est la même chose que d'ajouter un livre. Il n'y a pas de complication. Donc vous pourrez compléter si vous voulez pour vous entraîner. Mais non, on va voir, faire un exemple complet, en tout cas au niveau de la gestion des livres. Qu'on ait en fait que tout soit disponible directement depuis l'interface du site. Pour cela, on va commencer en premier par créer le formulaire pour les livres. Et finalement, on peut se poser la question, après ça c'est à vous de voir, peut-être que le formulaire d'ajout de quelque chose ne sera pas forcément le même que l'édition. Moi, quand je vais faire quelque chose, il n'y a pas beaucoup d'éléments hein, pour les livres, hein, pas beaucoup d'informations, on utilisera le même. On aura en fait le même gabarit, si vous voulez, au niveau des templates, pour l'ajout que l'édition en fait d'un livre. On utilisera la même page. Donc déjà, on va créer notre formulaire, on va aller dans Forms, ici. Et comme on va travailler cette fois avec un modèle, eh bien, il va falloir qu'on le récupère. Depuis les modèles, on va récupérer l'auteur, puisqu'il est rattaché forcément à un livre, et notre modèle book. Je rappelle que c'est avec ça en fait que tout se construit. Donc vous voyez l'importance encore une fois de ce qu'on a fait dans les séances précédentes. C'est une fois qu'on a fait ça, ça gère tout ce qu'il faut au niveau base de données, tout ce qu'il faut au niveau du site d'administration, et là ça va être à la fois utilisé pour tout ce qui concerne eh bien, les formulaires. D'ailleurs, vous avez remarqué, comme pour les formulaires, on retrouve toutes ces choses-là qu'on avait vues. Bon là on a des cas spécifiques, mais. C'est encore une fois toujours le même système. Voilà. On retrouve quand même des choses assez répétitives, assez simples à,
trucs à retenir, à assimiler. Donc là, le modèle, moi, je n'y touche plus par rapport à tout ce qu'on fait. D'ailleurs, je pourrais même fermer ce fichier. A priori, on ne devrait même pas y toucher. Et on va pouvoir tout faire au niveau de nos formulaires. C'est parti. Je vais faire une classe BookForm. Voilà, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, j'appelle ça comme ça. Ça va très bien. Et ici, Django, pour les modèles, comme je vous ai dit, va utiliser les modèles qu'on utilise pour tout générer à la volée. C'est-à-dire que vous avez vu que là, pour écrire un formulaire, il fallait quand même noter du code en Python, choisir les types de champs, etc., mettre ça dans, affecter ça dans des variables. Il y avait un petit peu de code quand même à noter au niveau de la classe. Là, ça va être très court, puisqu'il va se baser sur le modèle. Et comme il le fait pour le site d'administration, où il génère les formulaires pour pouvoir faire l'édition, l'ajout, etc., eh bien, il va se passer exactement la même chose ici, puisque nous avons un type de formulaire générique pour les modèles qui est ModelForm, tout simplement. On va avoir un cas spécifique puisque nous avons un auteur, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir récupérer l'ensemble des auteurs qui existent. Donc il va nous falloir faire une petite requête, donc on va le récupérer là-dedans. Forms Model Choice Field. C'est un des types de champs comme char field, comme date field, date time field, etc. qui existent, mais ici concernant les modèles. On va spécifier un ensemble d'enregistrements issu d'une requête qui est donc author, object, et comme je vous ai dit, on les veut tous. Une petite étiquette, histoire d'avoir quelque chose d'assez lisible, et on est bon. On a maintenant de quoi avoir l'ensemble, donc on aura un menu déroulant avec l'ensemble des auteurs, d'accord, pour ce qu'on a. Ensuite, on va retrouver une mécanique qu'on a déjà vue, c'est-à-dire de créer une classe méta qui va permettre d'indiquer eh bien un peu comment on organise les champs pour le visuel et surtout pour qu'il soit disponible. Donc ici, à l'intérieur de ma classe BookForm, je crée ma classe, je définis ma classe méta, j'indique le modèle auquel c'est rattaché, parce que Django va avoir besoin ensuite de faire la génération automatique. Donc ici, c'est le modèle Book. Okay. Ensuite, j'ai l'ensemble des champs dans une liste que je veux. Vous les mettez dans l'ordre, vous voulez qu'ils soient en fait au niveau de votre formulaire. Donc ça, c'est vous qui voyez. Donc moi, je vais mettre Title. Attention, les noms correspondent à ce qu'on a créé dans les modèles. Ils ne sont pas mis au pif. Donc à vous de vous référer éventuellement au modèle. C'est vrai que je l'ai enlevé, mais au final... On aurait pu garder ça ici. D'accord, donc title, quantity, author. Ok, je reprends à chaque fois les noms qu'on connaît. Donc je vous ai montré rapidement. Maintenant vous voyez. Donc je mets le titre d'abord, ensuite l'auteur, ensuite la quantité. Ça, ce sont les champs. Et ensuite les étiquettes. J'ai même envie de dire, et enfin, les différentes étiquettes. Et là, bon, c'est pas compliqué, parce qu'on va avoir en fait les noms qu'on veut. Donc là, je vais dire que ça, c'est le titre. Ensuite, on va avoir la quantité, ce que l'auteur, on l'a déjà mis ici, hein, l'étiquette. Donc ça va être juste les deux autres. Quantité. Et c'est terminé. Ça va être vraiment très rapide. Ok, donc là, on a ça. On a notre formulaire, donc à chaque fois qu'on va vouloir générer un formulaire pour le livre, c'est ce code-là qui va être appelé, qui va être utilisé, que ce soit pour ajouter un livre ou pour éditer un livre. Donc ça va être vraiment très rapide à faire. Puisqu'il s'agit de l'ajout d'un nouveau livre ou de la modification, on a besoin de sélectionner l'auteur correspondant. Encore une fois, parce qu'on n'a pas fait de système pour ajouter un auteur au moment où on ajoute un livre, etc. On fera juste sélectionner un auteur parmi ceux qui existent dans la base de données de notre application. Donc une fois qu'on a tout ça, c'est bon. On a fini en fait par rapport à ce qu'on a besoin. Ici. Maintenant, on va écrire la partie qui nous intéresse. Là, on va avoir des petites différences, évidemment, entre l'ajout et la suppression, l'édition, pardon, mais pas beaucoup. Donc ce code, on va l'enlever. Hop, ça dégage. Et on va reprendre le code qu'on avait vu tout à l'heure, que je vous ai montré. On va retrouver, en fait, à quelques détails près, la même chose. C'est-à-dire, si on a passé une méthode, enfin, on a passé, en tout cas, il y a une requête qui a été validée au niveau ici de HTML, notamment ici, post. Donc une validation post au niveau du formulaire, puisque c'est un formulaire qui utilise cette méthode-là. Dans ce cas-là, on va avoir notre formulaire en question. Formulaire, vous voyez, qui est plus ici. Donc on va l'ajouter comme on avait ajouté tout à l'heure avec les liaisons génériques. Porte BookForm. Voilà. Pour être sûr qu'il le retrouve, de toute façon, sinon bon, Django m'aurait vite fait savoir que je l'avais oublié, donc c'est pas grave. Et puis il y aura sûrement des oublis quand on testera juste ça après. Donc il faut s'y attendre. Request post. Ok. Ensuite, form cette fois-ci, hein, pas juste isValid tout seul. Si le formulaire est valide, qu'est-ce qu'on fait? Et bien, toutes les choses que vous aviez déjà vues,
on utilise la fameuse méthode save qui existe aussi pour les formulaires. Comme elle va enregistrer le formulaire, qui est lui-même relié à un modèle, ça va enregistrer le modèle, donc le mettre à jour dans la base de données. Vous voyez, tout est lié ensemble. On a en fait, on peut enregistrer un modèle qui modifie les enregistrements en base de données, et en passant par le formulaire qui est lié au modèle, ou le modèle qui est lié à un formulaire en particulier, eh bien ça se répercute en fait sur chaque chose, et ça valide bien en base de données les différents changements qu'on a. Et ensuite, je fais un copier-coller de ce que c'est ça, c'est de rediriger sur la page d'index, il n'y a pas de problème. Sinon, si on n'a rien saisi en particulier, le formulaire, c'est lui, bookform, comme tout à l'heure, comme ce qu'on avait fait en fait de manière générique. Et enfin, alors j'aurais pas dû la virer la page, mais c'est pas bien grave. Je vais reprendre juste ceci. Hop. Et ici, bon, je vais le passer directement là le contexte. Hein. Je ne vais pas renoter une variable intermédiaire. Maintenant, je pense que vous avez compris. Voilà, on passe le formulaire ici au niveau du gabarit. Sauf qu'ici, bon, on va le changer, on ne va pas utiliser show, mais on va utiliser tout simplement book form. On va créer comme ça une page book form et ce sera très bien. Je vais copier-coller ça. Non pas qu'on gardera tout, mais en tout cas une partie. Je vais aller dans template, mon application. Book form HTML. On va ouvrir ce dernier. J'enlève tout ça. On va faire ajout d'un nouveau livre. Et on revient sur ce qu'on avait vu de manière classique, c'est-à-dire form method post. La protection qui va bien. Et le formulaire, et on va mettre P. On aura ça sous forme de paragraphe. Ce sera très bien ici. Et normalement, c'est complet. Je regarde au niveau de la route. Donc, alors il faut la route, donc ici, ajouter if, c'est bon. Hein, on n'a pas besoin d'un identifiant en particulier. Donc c'est bien ça, on avait déjà ce chemin-là. On a tout, et c'est, vous voyez, je l'avais mis ici, donc ça, ça change pas. C'est la même URL qu'on avait, c'est juste qu'au lieu de l'avoir tout en bas, dans les séances précédentes, bah, j'ai rajouté en fait un lien en haut. Pour que ce soit en haut du tableau et que ça corresponde un peu mieux en tout cas à ce qu'on a. Et normalement, ça devrait être pas mal. J'actualise tout ça et allons-y, on fait ajouter un livre. Nous avons bien notre nouvelle page, donc on est bien sûr ajouter livre, ça correspond. Je vais taper un titre qu'on n'a pas, je crois que Dragon Ball GT y était pas. L'auteur, vous voyez qu'on a la liste des auteurs qui sont bien récupérés depuis la base de données, puisque nous avons fait une requête pour ça, donc ici Akira Toriyama, et on met une quantité. Voilà, j'ai oublié le bouton de validation, donc c'est dommage. Bien joué. J'ai jamais envie de le mettre. Hein. C'est dingue. Hein. À chaque fois, le bouton de validation, j'ai pas envie. Hein. C'est dommage. Hein. C'est un petit peu tout ce qui permet de valider le formulaire. Donc c'est vraiment, vraiment dommage d'oublier ça. Quoi. Mais c'est pas grave. On refait. On coupe. On coupera ça au montage. Même si, bah non. Mais voilà. Hop. Dragon Ball GT. Désolé pour ceux qui n'aiment pas Dragon Ball GT, mais je vous comprends ça, que c'était moins bien que les autres, mais on va pas... Voilà, on va pas ajouter, et regardez ça, ça a bien été ajouté, on a bien le bon auteur, et nous avons bien la bonne quantité. Et on peut bien sûr l'enlever, puisqu'on a fait la suppression, on l'a mis un petit peu à jour tout à l'heure, donc ça marchait très bien. Donc nous avons enfin deux choses qui marchent, l'ajout d'un nouveau livre, la suppression d'un livre existant, et bien le bon livre surtout. Et il nous reste cette fois-ci que l'édition, et vous allez voir que ça va aller assez vite. Hein. Au final, ce n'est pas le plus long par rapport à tout cas ce qu'on a fait ici. On va passer par le chemin, ce qu'il va falloir changer. Modifier un livre, bah, ça revient en fait à modifier un livre spécifique, donc c'est propre à son identifiant. Donc on change la route qu'on avait déjà ici précédemment. Au niveau de alors, bookform, je ne vais pas le changer. À la rigueur, bon, ça qu'ici, il faudrait mettre un autre message, donc d'indiquer bah, que si on passe par le formulaire d'ajout, bah, que ça mette ajout comme mot, sinon que ça mette édition. Donc je vais mettre plutôt ici, gestion d'un livre. Mais à vous de voir en fait, soit vous passez par des pages HTML différentes, soit vous incluez ici un titre différent selon ce que vous avez, ce que vous pouvez inclure des morceaux de gabarit dans d'autres, soit vraiment vous mettez tout en un seul et vous utilisez des simples conditions pour vérifier dans quel état au niveau du formulaire vous êtes et voir les messages que vous affichez. Voilà. Ça va de soi. Donc ça, je n'aurai pas besoin d'y retoucher, je pense. Je vais aller ici au niveau de l'index. Donc là, c'est à nouveau book.id pour l'édition d'un livre en particulier.
Et comment que ça va se passer cette fois? Est-ce qu'on retouche au formulaire? Non, c'est là tout l'avantage. On va juste faire au niveau de l'édition. Et là, je vais reprendre tout ce code, parce que je ne fais pas grand-chose de différent, et vous allez voir que ça va aller très vite. Je fais ceci. Rappelez-vous, nous sommes dans de l'édition. On n'a pas un livre vierge, on ne part pas sur rien. Donc, il faut récupérer l'information ici. Book ID, puisqu'on l'a récupéré là, on l'a fait passer en fait au niveau de l'édition. Donc, on récupère bien celle-ci. Et bien sûr, comme on a récupéré le livre en question pour la suppression, eh bien c'est la même chose pour l'édition. Voilà, le livre qui correspond à cet identifiant, on le récupère dans une variable book. Il n'y a pas de problème. À ce moment-là, bookForm, toujours pareil, on vérifie si un formulaire a été soumis, si c'est le cas, on a ça. Mais là, attention, on a déjà un modèle existant. Si on se contente de ça, on aura un formulaire avec des informations vides. Nous, on veut faire référence à lui. Donc ici, vous allez indiquer que vous avez une instance qui existe et qui est notre instance book, donc le livre qui a été récupéré là. Voilà, voici ce qui change, ce qu'on ajoute en plus. Alors, on a cette requête, bien sûr, mais on a ça qui s'ajoute en plus par rapport à l'ajout. Vous voyez, on a, hop, on a ça ici, et là, on a ça. Et bien évidemment, vous l'avez peut-être compris, bah, si là, par défaut, on fait qu'afficher le formulaire, et ben en fait, on l'affiche, certes, mais on l'affiche avec la donnée qui existe, puisqu'on veut faire de la modification d'un livre existant. Donc, c'est là où c'est très important. Et c'est terminé au niveau de l'édition. Donc, on passe très, très vite de l'un à l'autre. Je fais un petit F5. On va sur Death Note. Vous voyez qu'on n'en a qu'un seul. C'est dommage. Il y avait des gens, beaucoup de gens qui aiment bien ce manga-là. Donc, on va l'éditer. On a bien les informations pré-remplies. L'auteur aussi. Et là, on va rajouter 9 de plus. On va... Alors, j'ai mis ajouter, mais j'aurais dû changer oui, le nom du bouton. Et cette fois-ci, Death Note, on a bien 10 livres, en fait, 10 mangas de ce titre-là. Ça fonctionne sans problème. Et nous en avons fini pour cette première partie. Vous venez de voir comment écrire un formulaire de manière générique avec différents types de champs possibles utilisables hein, au niveau des formulaires ici de Django. Ensuite, on a utilisé les modèles qu'on avait créés précédemment pour pouvoir ajouter, modifier, supprimer des enregistrements sans passer cette fois-ci par le site d'administration. Donc vous avez programmé tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Et on a vraiment... tout fonctionne bien, vous voyez, au niveau du traitement des données, etc. Tout est géré, il n'y a pas de problème. Puisque en amont, en fait, on a fait ce qu'il faut au niveau des modèles, la définition des modèles, comment les choses devaient être indiquées, vous voyez, ces informations-là. Tout ça, bien sûr, eh bien, à un moment donné, si on essaie d'avoir quelque chose de plus grand, si par exemple on avait mis un max lens plus long ici, eh bien, c'est là que ça aurait bloqué, que ça aurait déclenché une erreur. Parce qu'on avait spécifié au départ que le modèle doit être maximum de 64. Donc si on veut être cohérent, logiquement, eh bien, ici au niveau du... Alors, pas l'auteur, pardon, mais le livre, voilà, le titre du livre. Et bien, le max lens, il faudrait le remettre ici, éventuellement, mais là, pas besoin, parce que sinon on aurait de l'information qui est redondante. Donc on a un code qui est beaucoup plus rapide à écrire, et ensuite Django bah, se sert de toutes les règles, finalement, tous les filtres que vous avez indiqués au niveau du modèle. Parce que ça ne sert à rien en fait d'indiquer ça 3, 4, 5 fois dans votre application. Vous l'avez indiqué au niveau du modèle, donc tout est répercuté à chaque fois, partout. Et ça fait gagner beaucoup de temps, et surtout bah, ça rend la chose plus sécurisée. Puisque ça évite bah, de mettre des erreurs, c'est-à-dire ici de mettre 32 et puis après dans le formulaire de mettre plutôt 40. Et vous avez alors 8 caractères de trop possibles et ça risque bah, de déclencher une erreur inutilement qu'on aurait pu éviter. Et c'est tout pour cette première partie. Dans la seconde partie, bon la vidéo je pense sera un petit peu plus courte, là on est à 50 minutes hein, si je compte, sans compter les intros ou trop que je vais rajouter. On verra donc tout ce qui est validation, comment on peut changer un petit peu les règles de validation d'un formulaire et notamment comment on peut par exemple nettoyer les données qu'on récupère ensuite qui ont été transmises par un formulaire. Donc dans un cas spécifique, on regardera ce que vous voyez que quand il s'agit d'un modèle, ça fonctionne très bien. Mais on verra bah, que si les gens veulent aller un peu plus loin et qu'ils ont besoin de faire des actions bien spécifiques, il existe bien sûr des outils avec Django pour faire tout ça. Donc on verra ça dans la seconde partie, comme je disais, qui sera plus courte. Et si vous avez des questions en attendant, n'hésitez pas à les poser en commentaire, à liker, partager bien sûr les vidéos de la chaîne. Et vous exercer, n'hésitez pas à compléter un petit peu, faire par exemple pareil pour les auteurs. Voilà, d'avoir une page avec la liste des auteurs et de permettre d'ajouter des auteurs, de les modifier. Voire même bah, quand on fait l'ajout d'un livre, si l'auteur en question ici n'existe pas, bah, d'ajouter par exemple un petit bouton qui permettrait d'ajouter un auteur. Ça peut être intéressant, ça redirigerait sur une autre page pour faire quelque chose de simple. Et comme ça, vous pourrez compléter un petit peu l'application par rapport à ce que vous avez vu dans cette séance. Ça vous fera un très très bon entraînement en tout cas, pour bien voir que vous avez compris tout ce que je vous expliquais ici. A bientôt et on se retrouve pour la seconde partie des formulaires avec Django.